Alors qu'il n'avait gagné qu'un seul match dans sa carrière en Master 1000, le qualifié serbe Filip Krajinovic, 25 ans, affrontera Jack Sock ce dimanche, 15h, en finale du Rolex Paris Master. Une carrière freinée par de graves blessures il y a 6 ans, alors qu'il allait passer pro, Filip Krajinovic a dû être opéré de l'épaule. Pendant 2 ans, je ne pouvais plus jouer, se souvient-il. Puis, en 2016, nouveau coup dur, un problème préoccupant au poignet droit, le contraint à repasser sur le billard. On a dû me retirer un os, c'était très dur, j'en ai beaucoup souffert, dit le Serbe. Je n'avais encore rien accompli, et déjà plus aucun sponsor ne voulait de moi. Point. Fermé les guillemets. Novak Djokovic est son soutien de luxe, ancien pensionnaire de l'Académie Bolletieri en Floride. Il a été très tôt considéré comme un grand talent. Demi-finaliste à 18 ans du tournoi de Belgrade, déjà dans le top 100 en 2014, il n'a jamais confirmé, freiné par les blessures. Durant ses années noires, il doit beaucoup à Novak Djokovic, qu'il a souvent conseillé, et a même payé son coach, quand son compatriote n'en avait pas les moyens. C'est un ami très proche, il m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui encore, on se parle souvent. C'est un héros dans notre pays. Point. Fermez les guillemets. Une seule victoire sur le grand circuit en 2017 afin de remonter la pente après ses opérations. Il a choisi d'axer sa saison 2017 sur les challengers, principalement sur terre battue. Avec 5 titres au compteur dans cette catégorie, il a vite remonté au classement. Son premier match de l'année sur le circuit principal, il l'a joué mi-octobre à Moscou, ATP 250. À Bercy, il n'avait aucune autre ambition que de sortir des qualifications. Mon objectif de l'année était d'être top 100. Là, je vais être top 40, sourit-il. Je savais que j'y parviendrais un jour. Mais pas dès cette année. Point. Fermez les guillemets. Un coach atypique et survolté, ancien entraîneur d'Ivo Karlovic, Petar Popovic connaît Filip Krajinovic depuis plus de 10 ans. Je lui ai toujours dit, si tu es libre, j'adorerais que tu t'occupes de moi, raconte le joueur, comblé depuis 4 mois, quand le coach a mis fin à sa précédente collaboration pour le prendre sous son aile. Depuis